Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Madame Céline Sanou. Je suis chargée du programme au sein de PACTIA, basée à Nairobi. PACTIA est une alliance pour la justice climatique au niveau de l'Afrique. L'Afrique s'ouvre le changement climatique, malgré le fait que l'Afrique a contribué le moins des émissions de carbone. Aujourd'hui, nous avons les sécheresses qui continuent, nous avons les inondations destructives et nous avons l'élévation du niveau de la mer. Le changement climatique entraîne la dégradation de la terre, la perte d'eau et qui affecte la biodiversité et le secteur agricole. Tous ces effets amènent à le conflit, les immigrations et les violences faites basées sur le genre. PACTIA travaille avec les communautés en première ligne de changement climatique, c'est-à-dire les femmes, les jeunes, les peuples indigènes. PACTIA soutient beaucoup les femmes en milieu rural qui souffrent beaucoup des impacts du changement climatique et qui tirent leurs moyens substantiels du secteur sensible au climat, tel que l'agriculture pluviale. Les femmes aussi mènent les rôles comme la cuisine, chercher l'eau. Tous ces rôles sont directement impactés par le changement climatique. PACTIA aujourd'hui soutient les femmes en milieu rural en leur renforçant leur résilience, surtout pendant cette période de COVID-19. Nous travaillons avec les autres partenaires comme le secteur privé. Un bon exemple, c'est le projet que nous menons à ce moment-là avec le secteur privé qui s'appelle BIDCO au niveau du Kenya. Ce projet, BIDCO appuie les femmes dans la chaîne du Valais en leur fournissant avec les semences et leur fournissant aussi avec le marché pour vendre leurs produits. Aujourd'hui, PACTIA, surtout à travers notre initiative de ESSA Awards, appelle les journalistes d'accorder les priorités ou bien de rapporter étroitement sur la souffrance que les femmes ont eue à travers les impacts du changement climatique. Parce que en Afrique, il n'y a pas beaucoup de soutien que le média donne aux femmes par rapport à leur rôle, surtout dans le combat contre le changement climatique. Merci beaucoup.